C'est la bonne nouvelle de cette matinée. L'économie française devrait échapper à la récession. C'est en tout cas ce que montre la dernière enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France parue hier. Globalement, comme l'explique l'économiste en chef Olivier Garnier, l'activité au deuxième trimestre fait preuve de résilience, ce qui, dans les modèles de calcul prospectif, ne laisse pas apparaître de récession économique. Dans ce contexte toujours très incertain, l'Institut monétaire estime à ce stade que la progression du PIB pour le deuxième trimestre 2022 s'établirait autour de 0 0,25% par rapport au trimestre précédent. Pour mémoire, le PIB a reculé de 0,2% au cours des trois premiers mois de l'année. L'amélioration constatée en avril s'est poursuivie en mai grâce à un rebond dans l'industrie et surtout dans les services marchands, fortement affectés en début d'année par les conséquences de la vague Micron. Le secteur de l'hébergement et de la restauration profite notamment du retour de la clientèle étrangère. L'étude pointe néanmoins le haut niveau des difficultés d'approvisionnement, même si la part des chefs d'entreprise qui jugent que celles-ci ont pesé sur leur activité se tasse un peu dans l'industrie et se stabilise dans le bâtiment. Le Conseil des gouverneurs de la BCE va se réunir, se réunir en urgence dans la journée, alors que la Fed va tenter ce soir de reprendre le contrôle de sa politique monétaire en relevant son taux de, 0 de, 0, de 75 points de base selon les dernières estimations des analystes. Le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne tiendra donc ce mercredi une réunion ad hoc pour discuter des récents dégagements sur le marché des emprunts d'État, a annoncé un porte-parole de l'institution. Les rendements obligataires ont fortement augmenté depuis que la BCE a annoncé jeudi dernier qu'elle relèverait ses taux d'intérêt en juillet et en septembre. L'écart entre le rendement du Bund allemand à 10 ans et son équivalent italien a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux ans sur fond d'inquiétude quant à l'impact du resserrement monétaire de la BCE sur les pays les plus endettés de la zone euro. Le groupe aérien Air France-KLM a annoncé hier avoir bouclé son augmentation de capital de 2,256 milliards d'euros, ses deux plus grands actionnaires, les États français et néerlandais, ayant participé à la hauteur de leur participation tandis que l'armateur marseillais CMA CGM entre au capital. Il s'agit du deuxième étage des mesures entreprises pour assainir les finances du groupe après une première recapitalisation en avril 2021. Les États français et néerlandais restent donc actionnaires respectivement à 28,6 et 9,3% des parts, tandis que l'armateur CMA CGM, géant mondial du transport maritime, qui a réalisé un bénéfice record l'an dernier, devient le troisième actionnaire du groupe avec 9%. Le produit de l'émission sera affecté principalement au remboursement accéléré des aides d'État ainsi qu'à la réduction de l'endettement net d'Air France-KLM. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les marchés financiers hier. Les investisseurs, inquiétés par la flambée de l'inflation et la possibilité d'une entrée en récession des économies occidentales, ont ainsi procédé à de lourds dégagements. Euh, le CAC 40 a clôturé en baisse de 1,2 à 5949 points. L'indice ici qui a donc enchaîné une sixième baisse consécutive, ce qui en cumulé correspond à un repli de 9,5%. Alors que les cours du Brent ont repris leur course folle après deux séances consécutives de repli, le secteur de l'énergie a repris 1,29 euh, les télécoms ont fini la journée dans le vert à plus 0,63 bah, et les financières sur fond de hausse des taux souverains ont clôturé en hausse de 0,32 Les principales hausses sont à l'œuvre chez Esso qui a pris 4,46 et Morel et Prom qui a clôturé en hausse de 3,83 Coface s'est échangé à plus de 2,07 et BNP Paribas à 1,42%. Les principales baisses sont à mettre au passif des services aux consommateurs qui ont lâché 2,47%, de la tech qui a reculé de 2,12% et des matériaux de base qui se sont dépréciés de 1,92% quand de le même, dans le même temps la santé était en repli de 1,9%. Dans le détail des baisses, les principaux mouvements à la baisse sont donc observés chez Rémi Cointreau qui recule de 6,43% euh, et d'Arkema qui a cédé 4,8% et de Corian euh, en repli de 5,4%. Notons surtout qu'Atos s'est effondré de 23,38%. Le plan de scission du groupe et le départ du directeur général effraient les investisseurs. Résultat, eh bien, le titre a cédé 46% sur les 5 dernières séances. Euh, les cours du pétrole ont euh, baissé hier dans le sillage du gaz naturel aux États-Unis en raison de l'arrêt prolongé d'un terminal. Les investisseurs faisant le pari que le gaz non exporté inondera le marché américain. Dans cet environnement, eh bien, euh, le Brent de la mer du Nord pour livraison en août s'est changé en baisse de 0,9% à 121,17$. Le baril de WTI pour livraison en juillet a quant à lui reculé de 1,65% à 118,93$. Le Bitcoin poursuit sa chute sur fond de contexte macro économique compliqué et d'inflation grandissante partout dans le monde, ce qui n'a pas euh, rassuré, ce qui n'est pas pour rassurer les investisseurs. et eh bien, du coup, le Bitcoin perdait hier 6,97% à 21 000 dollars, 402. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour euh, la suite de notre émission et l'ouverture de la bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.